Les moissonneurs sont plus avancés, plus puissants et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. La citadelle est notre meilleur espoir. On y trouvera de l'aide. La triste vérité, c'est que pendant que les moissonneurs attaquent la Terre, nous pouvons rassembler nos forces. Nous préparons un sommet interne. Le primarque Fedorian a convoqué ce sommet, mais depuis l'attaque des moissonneurs contre Palaven, silence radio. Ces réunions n'avanceront pas sans lui. Un primarque reconnaissant serait un allié de poids pour votre stratégie d'union. Général Victus, vous êtes le nouveau primarque. Vous devez présider une réunion au sommet et représenter votre peuple dans notre guerre contre les moissonneurs. Commandant, je sais que vous avez besoin de nos flottes, mais ce n'est pas possible. Ma planète est à feu et à sang. On a besoin des Krogan. Votre sommet vient de prendre une tournure intéressante. Commandant, les systèmes de transmission perdent les pédales. Ça vient du pont 3. Essayez de contacter IDEA. Je vais vérifier le noyau IA. Joker, c'est quoi ça ? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un feu électrique ou à autre chose. Je vais entrer. IDEA, réponds-moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard ? IDEA ? Oui. Tu es dans le corps du docteur Eva. Pas entièrement, mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition ? T'as disparu quelques instants. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées au dispositif protéin. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. Si on peut avoir accès aux données protéines dans sa tête, c'est du beau boulot. Je me suis dit à peu près la même chose. Donc, si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps ? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée des missions du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps ? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. T'es en train de dire que tu pourrais venir avec nous ? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Si j'ai besoin, je te fais signe. Parfait. Je lance des tests pour m'assurer qu'il égale ou dépasse les capacités des coéquipiers organiques. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais ne le prends pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps. Il leur tirait dessus il n'y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir parler ? Non, la batterie est sympa. C'est calme. Avec quelques tapis, ça fera un bon nid douillet. Garrus. Ça va, Lyra. J'étais juste en train de réfléchir. Très bien. Un protéin. Un véritable protéin vivant, juste sous mes pieds. Je ne les imaginais pas comme ça. Moi non plus. Il était un peu froid quand je lui ai parlé. Je comprends le choc qu'a pu causer son réveil et l'extermination des siens. Mais un protéin, Shepard, il pourrait nous dire tant de choses. Garrus, je vois que vous n'avez pas perdu de temps. Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Sovereign nous a donné du fil à retordre. Un millier de ses semblables représente un vrai défi.
J'ai des remords d'avoir quitté Palaven pour vous suivre. Je me souviens d'un garçon sur Terre. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Et je l'ai regardé mourir pendant que le Normandie fuyait. Au fond, je suis toujours vivant. Et pas lui. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas une vraie victoire, pas vrai? Nous savions que ce serait atroce. Les moissonneurs ne nous ont pas déçus. Au moins mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Alors, vous êtes leur expert maintenant? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. On a perdu assez d'amis pour ne pas en arriver là. Je dirais que nous méritons tous le respect. Alors le premier moissonneur que ce canon tuera leur sera dédié. Passez le mot. Vous voulez parler d'autre chose? Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Dernièrement, vous avez eu des nouvelles? Non. Pas depuis un moment. Je suis sûr qu'ils vont bien. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries, en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Au bout d'un certain temps, on finit par se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après votre petit incident dans l'espace butarien, j'ai compris qu'il était temps d'agir, pour notre bien à tous. Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. C'est un ancien agent du SSC, non? Si je me souviens bien, vos relations étaient un peu tendues. Ouais, c'est rien de le dire. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement turien. Le précédent Primarque était un de ses amis. Je suis donc allé voir mon père, et je lui ai dit tout ce qu'on savait sur les moissonneurs, de sa reine jusqu'à la base des récolteurs. Laissez-moi deviner, il vous a rayonné? Même pas, en fait. Il a juste écouté. Mon père a toujours été à cheval sur le règlement, mais il n'a jamais laissé les considérations politiques dicter ses choix. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Les moissonneurs allaient nous envahir. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'approuver. Il l'a rapporté au Primarque. Direct et efficace. Sauf que le Primarque n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a fini par obtenir quelques ressources. Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et même un peu plus. On a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection et d'alerte. Ça a été efficace? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Vous faites confiance au nouveau Primarque? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas son genre. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession, par hasard? Je préfère ne pas y penser. Le Primarque Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palaven l'éclat de sa gloire passée? Mon blason n'est pas franchement reluisant, vous savez. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garrus. Selon vous, quelles sont nos chances? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riaient au nez et ignoraient vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous y croyez encore? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices. Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche.
Tout va bien pour la navette. Je vérifiais simplement les amortisseurs d'inertie. Ils peuvent être erratiques sur ces UT-47, mais ne vous en faites pas, ce zing est solide. Vous êtes toujours en train de vous crever le cul ici. Vous vous reposez jamais ? Je dors bien, commandant. Un pilote fatigué est presque pire qu'un pilote bourré. Et pendant vos heures de veille, pas de détente ? Je dois m'occuper d'esprit. Sinon, eh bien, j'ai trop de temps pour penser. J'apprécie votre dévouement. Beau travail, lieutenant. Merci, commandant. Comptez sur moi. Mais avant cette guerre, vous deviez prendre le temps de vous détendre. Bien sûr, je me souviens du temps où le Hawking était basé à Arcturus et où je n'étais que pilote de chasse. Il y avait un pont d'observation qui donnait sur les routes principales de vol. On pouvait voir chaque vaisseau aller et venir. Quand j'étais seul, j'éteignais les émulateurs de son pour les regarder glisser en silence. Vous savez, il y a des panoramas de ce genre à la Citadelle. À notre prochaine escale là-bas, vous devriez prendre une permission. Videz-vous la tête. Je sais pas, peut-être. Au besoin, ce sera un ordre. Prenez une permission dès que nous arrivons à la Citadelle. Oui, chef. Hé, commandant, vous avez vu ma copilote ? Elle a utilisé une technologie Cerberus sans autorisation. Techniquement, IDEA vient de Cerberus, alors... Je ne plaisante pas, Joker. J'ai vérifié, commandant. Elle est toujours basée sur le Normandie. Ce corps lui donne juste un peu plus de flexibilité. Et quelle flexibilité ! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne ? Non. Je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras ? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Vous savez où me trouver ? Qu'est-ce qui se passe ? Y a un problème avec Joker ? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard. Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales ? Quand je donne un ordre, j'en assume toutes les conséquences. Et j'attends qu'on l'exécute sans discuter. Mais pourquoi est-ce que tu poses cette question ? Parce que j'ai été conçu par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et t'attends toujours une réponse ? Exact, j'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous ? Toi seul peux répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais... comment prendre une décision morale sans un avis extérieur ? Je pourrais passer à côté de données cruciales. Est-ce que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps ? Si tu cherches des réponses toutes faites pour t'intégrer dans la bonne société, tu frappes à la mauvaise porte. Je vois. Je n'oublierai pas de prendre ça en compte. Commandant, vous allez bien ? Ça bardait de notre côté. Je peux à peine imaginer comment c'était sur cette lune. Je vous aurais cru plus inquiète à propos d'IDEA. IDEA est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé de ses plans pour obtenir un corps, je l'aurais volontiers aidé. Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêts entre notre amitié et vos devoirs. J'aurais préféré un conflit d'intérêts à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes, mais... merci tout de même. Nous transférons votre autorisation d'amarrage à un officier de l'Alliance. Logique. À peine de retour que l'Alliance veut déjà nous tatouer et nous tenir en laisse. C'est juste notre manière à nous de vous accueillir, lieutenant. Demande l'autorisation d'amarrer. Autorisation accordée. Voulez-vous un transport personnel ? Je dois aller à l'hôpital. Oui, commandant. Shepard, vous voilà.
Docteur Chakwas, vous ici? Je travaille sur un projet de R&D de l'Alliance dans le secteur Chalta, aux côtés de l'amiral Hackett. On dit que vous avez fui la Terre à bord du Normandie et que vous ameniez un blessé grave. Je suis venu dès que j'ai pu. Nous avons été confrontés à un synthétique de Cerberus sur Mars. Ashley a été grièvement blessée. Comment elle va? Très bien, vu les circonstances. La résistance du lieutenant-commandant Williams est impressionnante, tout comme le savoir-faire du docteur Michel. J'aurais aimé pouvoir vous aider sur Mars. On ne s'est pas vu depuis 6 mois. Quoi de neuf? Bien, j'ai eu de la chance. Quand ils ont arraisonné le Normandie, l'Alliance ne savait pas quoi faire de moi. Je n'ai jamais vraiment fait partie de Cerberus, et j'avais officiellement quitté mon ancien poste dans les règles. Donc on ne pouvait pas vous reprocher de m'avoir rejoint pour combattre les récolteurs. Voilà, mais je suppose que si vous aviez été jugé pour crime de guerre, je l'aurais été pour complicité. Votre place est dans l'infirmerie du Normandie, pas dans un labo. Totalement d'accord. Dites le mot et je vous suis. Le Normandie n'est pas le même sans vous, docteur. Prenez vos affaires. Baie d'amarrage, D-24. Oui, commandant. Et merci. Ne me remerciez pas trop vite. N'oubliez pas, Joker est avec nous. Et je parie qu'il a oublié de prendre son traitement. Une réponse, lieutenant-commandant. La galaxie a plus que jamais besoin de soldats de votre envergure. Je réfléchis encore, mais je vous promets de répondre bientôt. Je m'en réjouis d'avance. Shepard. Udina, j'ai eu votre mail. Vous avez décidé? De devenir un spectre? Pas encore. C'est un honneur, mais... je ne sais pas, je dois encore y réfléchir. C'est une décision sérieuse. C'est bien d'y réfléchir. Tenez, c'est pour vous. Je me suis dit que vous aviez du temps libre. Merci, c'est gentil. Je ne tenais plus en place. Comment ça va? Pas trop mal, en fait. L'infirmière m'a dit que vous étiez passé quand j'étais dans les vapes. On n'a pas eu le temps de parler. Si vous en avez la force maintenant... Ouais. Je ne savais pas si vous vouliez. Vous avez été assez clair sur Mars à ce sujet. Comment ça? Vous n'êtes plus chez Cerberus. Terminé. Affaire classée. Mais c'est vrai. Vous avez coupé les ponts. Je comprends. Mais où est-ce qu'on en est? On a coupé tous les ponts? De l'eau a coulé sous les ponts, Ash. On devrait peut-être tout reprendre à zéro tous les deux. Alors, c'est tout? Laissons les choses se faire, d'accord? Je suis une grande fille. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Contentez-vous d'aller mieux. Croyez-moi, c'est le pire endroit où je puisse être. Vous avez intérêt à vite vous remettre. Attendez. Encore une chose, je ne savais pas si je devais en parler. Allez-y. J'ai de la famille sur Terre. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Ça me rend complètement dingue. Mais je sais que vous êtes occupés. On verra plus tard. J'ai un peu de temps. Qui est resté sur Terre? Ma mère et mes 3 sœurs. Sarah, la plus jeune, était en pleine lune de miel. Elle a épousé un militaire, Thomas. Il a été rappelé et elle s'est retrouvée seule. Elle m'a appelé. C'est très dur pour elle. J'imagine. J'ai toujours été là pour les protéger avant. Même quand je partais loin, elle pouvait me parler. Je lui ai dit de venir à la citadelle. On attendra les nouvelles ensemble. Je n'ai pas eu de vos nouvelles quand j'ai été reçu par l'Alliance. J'en étais incapable. Même quand Anderson a exigé ma présence, c'était difficile. Pas de souci. On est des soldats. On a de plus gros problèmes à gérer. C'est vrai, c'est juste que j'en ai marre de rester au pieu. Alors, c'est quoi cette histoire de lieutenant-commandant? On dirait que la malédiction des Williams lâche prise. J'étais certaine de finir officier-artilleur. Vous avez bossé dur. Vous le méritez. J'en pensais autant. Jusqu'à Aiden Prime. Perdre la 212e... Enfin, vous savez... Ash, c'était les moissonneurs. Vous avez fait au mieux et vous nous avez aidés. Mais perdre toute l'unité sous mes ordres... C'est dur à avaler. Je ne les oublierai jamais. Pour l'instant, il faut vous remettre sur pied. Je reviendrai.
Et dès que je pourrai, j'irai leur enfoncer leurs tentacules métalliques droit dans le... Enfin... Je me battrai courageusement, commandant. J'y compte bien, lieutenant. On peut pas se sauter à la gorge. Si on veut s'en sortir, il faut se faire confiance. J'essayais de mettre de côté la famille, d'être professionnel. Je ne sais pas comment vous arrivez à rester en un seul morceau. C'est parfois difficile, croyez-moi. Ça fait du bien de l'entendre. Je dois y retourner. Prenez soin de vous. Vous aussi, Shepard. Commandant Shepard. Quand j'ai su que la Terre était attaquée, j'ai tenté d'appeler. Mais enfin. Tane, c'est bon de vous voir en forme. Ma maladie tue lentement. Avec des soins et une bonne hygiène de vie, ma mort peut attendre quelques années. Bien sûr, le temps qui m'était imparti s'est écoulé. À présent, je m'exerce par plaisir. Qu'est-ce que vous faites là ? Je viens voir une amie qui a été blessée en me protégeant. Ashley. L'humaine brune en soins intensifs. Elle commencera bientôt la rééducation avec mon groupe. C'est elle. Si elle est importante pour vous, alors je vous aiderai si je peux. Tant qu'elle sera là, considérez-la sous ma protection. Tane, j'apprécie le geste. Ma vie tire à sa fin. C'est le moment idéal pour être généreux. Le syndrome de Kepral a balayé mes autres projets. Je suis de retour sur le Normandie pour une mission importante. J'ai besoin de vous. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il me faut des soins quotidiens. Tel que je vous connais, vous voudrez combattre les moissonneurs. Il vous faut le meilleur équipage possible et je ne suis plus à la hauteur. Rien ne vous force à lutter contre des Krogan pour leur briser le cou. On pourrait vous trouver une tâche plus adaptée. Je suis en paix avec ce que j'ai fait dans la vie. Vient un temps où il faut s'écarter de la guerre et de la violence. Ce n'est pas le vôtre, mais c'est le mien. Vous savez combien de temps il vous reste ? J'ai consulté plusieurs médecins. Il y a 9 mois, mon préféré m'en a donné 3 à vivre. C'est fabuleux de ne plus avoir d'obligations. Ni responsabilité, ni peur. C'est une bonne façon de mourir. Ça fait très mal ? Parfois, c'est une malformation des protéines de transfert d'oxygène, l'équivalent de l'hémoglobine chez vous. Résultat, mon sang charrie trop peu d'oxygène. Même en respirant à fond, j'ai des picotements et des insensibilités, dans les meilleurs moments. Quant au cerveau, je ne me rends pas compte. J'ai des vertiges de temps en temps. Je vous souhaite le meilleur, Tane. Moi aussi. Ne vous en faites pas. J'ai de bons médecins et mon fils vient régulièrement. Peut-être qu'on se parlera par extranet maintenant que vous êtes libre. En attendant de se revoir, Shepard. C'est Idea qui vient de passer ? Oui, c'est elle. Oh, Joker va avoir un jour de perme avec ça. Est-ce que tout va bien par ici, docteur ? L'équipe de l'Alliance a nettoyé et fait le plein, mais c'est bien mon infirmerie. Je me sens chez moi. Bon retour chez vous. Merci. Ne perdons pas de temps. J'aimerais vous examiner si vous êtes d'accord. Je n'ai rien de travers, n'est-ce pas ? Non, mais nous devons surveiller de près tous ces implants cybernétiques greffés par Cerberus. Me ressusciter, ça a coûté cher. Et c'était de l'argent bien dépensé. On va s'assurer que tout est en ordre. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les toubibs. Ne soyez pas ronchon. Je vais juste procéder à un diagnostic de vos implants et prendre quelques mesures. Le traitement cicatrisant a produit une belle gangue tissulaire en protéines de synthèse. Et votre corps a très bien accepté les implants. Encore heureux, c'était pas donné. Terminé. Vous êtes l'incarnation de la santé. Vous n'avez jamais parlé de votre famille. Je n'en ai pas, tout simplement. Je suis la dernière d'une prestigieuse lignée de médecins. Je suis mariée à l'Alliance, et vous êtes tous mes enfants. Chaque fois qu'un vaisseau de l'Alliance est détruit, je perds un ou plusieurs amis proches. Cette guerre ne peut plus durer. Vous ne regrettez pas d'avoir travaillé pour Cerberus ? Nous nous sommes servis d'eux, nuance. Quand j'y pense, j'en aurais presque honte.
Nous avons pris leur argent, leurs meilleurs hommes, leurs meilleurs vaisseaux. Et maintenant qu'ils ont fait leur temps, nous utilisons leurs propres ressources pour les éliminer. Donc, non. Je n'ai aucun regret. On est comment au niveau médicaments ? L'infirmerie était pleine quand vous avez quitté la Terre. Nous devrions tenir un bon moment, malgré votre tendance à attirer les ennuis. À plus tard, docteur. Faites attention à vous, Shepard. J'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension est le meilleur centre d'entraînement de la galaxie pour les biotiques humains. Oui, j'ai envoyé là-bas un jeune homme nommé David Archer. C'est surprenant qu'elle soit encore ouverte. Certains de leurs travaux ont le soutien de l'Alliance. Ça peut l'expliquer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un transporteur turien a répondu à leur signal de détresse. En temps normal, je dirais que ça s'arrête là. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par Idea. C'est un faux. Idea pense que c'est Cerberus. Elle dit que le faux signal turien est similaire à celui qui vous avait leurré vers un vaisseau de récolteurs. C'est une longue histoire. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Renseignez la carte. C'est en cours, commandant. Voilà ceux qui ont répondu à l'appel, un croiseur de Cerberus. Au moins une dizaine de chasseurs qui fait blocus. Il y en a trop pour une attaque de front. Ils tiennent vraiment à cet endroit. Je détecte une transmission entrante. Voyons ça. SSV Normandie, ici Callie Sanders, directrice de l'Académie Grissom. Nous avons besoin d'aide sur le champ. Cerberus a lancé une attaque sur le centre. Ils veulent mes étudiants. Ici le commandant Shepard, l'approche directe est à exclure. Je sais. Ils ont pris d'assaut nos baies d'amarrage. Des alternatives ? Il existe un quai annexe que je pourrais sûrement ouvrir. Très bien. On va venir chercher vos étudiants en navette. Joker, vous pouvez faire diversion. Oh, sûr, je peux ! Maintenez la navette en position, on revient. Commandant, je suis bloqué dans une salle de serveur, à l'angle. Les troupes de Cerberus essaient d'entrer. Préparez-vous, j'arrive à la porte. Sanders, c'est bon, c'est moi. Merci, commandant. Pour l'amiral Anderson, vous êtes le meilleur. Et avec Cerberus qui approche, il me faut le meilleur. Vous êtes combien au total ? Moins de 20. Les autres sont rentrés chez eux en apprenant l'invasion des moissonneurs. Quelques-uns ont voulu rester. Certains travaillent sur des prototypes pour l'Alliance. D'autres sont biotiques. Ils suivent un entraînement militaire pour apprendre à travailler en équipe et former une artillerie biotique. Vous avez parlé de l'amiral Anderson. Oui, on s'est rencontrés il y a 20 ans déjà. Quand il tentait d'intégrer les spectres. J'étais là quand sa reine l'a trahi. David m'a sauvé ce jour-là. C'est un homme bien. Il était sur Terre lors de l'invasion. Il est resté là-bas quand je suis parti.
Je ne savais pas. On est presque coupé de tout. Il est vivant. Vivant et engagé. Il est à la tête du mouvement de résistance. Bien. Si on s'échappe, vous lui direz de rester en vie. On a besoin de toute l'aide possible. J'aurais préféré qu'elle vienne d'ailleurs. Mais vous avez raison. L'Alliance a besoin d'aide. Heureusement, certains aînés se sont portés volontaires. Attendez, j'essaie de rétablir les communications. Ici Froberg, des cadets sont coincés dans le hall d'Orion. Cerberus nous a piégés. Ils approchent vite. Merde. Le hall d'Orion. Sortez et prenez le couloir. Je peux vous ouvrir la porte. Je les ramène ici et après on fonce aux navettes. Merci, commandant. Je ne bouge pas. Avec un peu de chance, je reprendrai le contrôle de nos systèmes. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Attendez un peu et retrouvez Cali Sanders au poste de sécurité. Ok, mais ma sœur Sean est quelque part par là. Envoyer un SOS. Je ne savais pas que les scouts allaient débarquer avec leur chef. On vérifie les amplis. Prends-les, tes chants et tes faiblards. Cerberus n'aura pas pitié de toi comme les filles que tu dragues. Buvez et mangez quelque chose. On part dans 5 minutes. Ça, c'est pour m'avoir laissé. Je me suis rendu à l'Alliance, Jack. Ouais, et comment ça s'est passé? Ils vous ont écouté? C'est étonnant. Vous auriez pu rester, mais vous préfériez jouer aux petits soldats. Ça ressemble à ce que vous faites maintenant. J'ai l'impression. Mais comment vous vous êtes retrouvée instructrice? Vous dites ça comme si j'allais les faire exploser ou je ne sais quoi. L'Alliance savait que je vous avais aidé, alors elle m'a offert ce poste. Apparemment, les élèves apprécient ma pédagogie. La biotique psychotique! Je vais vous détruire! Bois ton jus, Rodriguez. Tu ne pourrais même pas déchirer un mouchoir. Cortez à l'équipe d'extraction. Le croiseur Cerberus revient. On a combien de temps? 2 minutes max, commandant. Après, on ne pourra plus passer à travers. Alors dégagez et retournez au Normandie. On trouvera une autre issue. Compris. Bonne chance à vous. Shepard à Sanders. Les cadets vont bien, mais c'est mort pour la navette. Compris. Je connais peut-être une autre issue. Mais j'aurai besoin d'accéder à toutes les caméras.